comment ça va? Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Donc là, on est un peu chez toi, sur tes terres, parce qu'on est à Venice Beach. Dans un tu viens souvent dans ce restaurant ou James Beach, je vais plutôt en face, c'est les mêmes propriétaires. Ouais. Parce qu'ils ont une espèce de galette avec du raisin, du camembert fondu. C'est pas très américain. Non, c'est très bizarre, mais ça fonctionne grâce au raisin. D'accord, oui, au raisin. Ouais, au raisin qui fait passer le goût du camembert et de tout le reste. D'accord, très bien. Et tu as une maison, toi, à Venice Beach? Oui, oui, j'ai toujours habité à Venice parce que j'aime beaucoup Venice. Los Angeles, c'est un peu terrifiant parce que c'est énorme et très. Il n'y a pas vraiment de centre. C'est en fait des suburbs qui sont collés les uns aux autres. Et Venice, pour moi, représente ce qu'il y a de plus proche dans une vie un peu au bord de la mer, sympathique avec la bicyclette. Ouais. Et en même temps, Venice, il y a un côté un peu flower power, 70s, roots. Hippie. Oui, bah oui, je pense que c'est bien. C'est ça. En fait, pour moi, c'est ça la Californie. C'est ce mouvement de paix, de bien-être. Everything is beautiful. Yeah, man. Oui, c'est ça. Ouais. Et toi, oui, t'es comme ça, autant, toi. Autant vivre comme ça dans une ville qui est en fait basée sur le cinéma, donc tout est assez réel. Je pense que c'est important d'être déjà au bord de la mer. C'est important si on va être à Los Angeles, parce que sinon, il y a un côté plat comme ça qui est assez terrifiant. Sauf que tu peux pas aller te baigner parce que l'eau est à 14 degrés. Oui, tu peux te baigner. Ah, tu peux te baigner? Oui, mais bon. Comment tu fais? Faut respirer profondément. La Californie, c'est un état magnifique. Oui. Il y a tout ici. Il y a le désert, la mer, les cailloux, les grands champs de colza. Enfin, c'est magnifique. C'est un état. D'ailleurs, les Américains appellent la Californie the Golden State parce qu'il y a tout. C'est vraiment très très beau. Il y a un côté méditerranéen ici qui est magnifique. Mais Los Angeles en lui-même, c'est oui, work. Ben oui, tu viens ici, c'est audition. Et puis voilà quoi, you book and you get out. Vous surtout pas rester ici alors. Non, parce que c'est. Par exemple, quand je retourne à Paris, que j'adore Paris, c'est une ville. Donc il y a un cœur, le premier c'est le cœur, c'est comme un escargot, donc il y a un vrai sentiment de ville, de gens, d'une culture. Alors qu'ici, en fait, c'est le monde entier qui vient pour réussir dans le cinéma, dans l'entertainment. On t'a revu, nous, en France, il y a pas longtemps, dans ce film qui a connu un grand succès, qui s'appelle Le Fils à Joe, oui, avec Gérard Lanvin. Ouais. C'était bien, ça, de renouer avec la France, avec le public français? Oui, beaucoup, oui. Ouais. En fait, j'ai grandi en Europe. Ouais. Tu as grandi en Espagne, notamment, c'est ça? En Espagne, en Suisse. Et en Suisse. En Italie, un peu en Allemagne, très peu, et en France. Et ça me manque beaucoup, ça. Là, ouais. En fait, ce qui me manque, c'est de pouvoir prendre ta voiture et te retrouver, tu parles italien, avec tout ce qui ça comporte, après espagnol, français, quelque chose de magique pour moi dans ça. Ouais. Ici, tu conduis une musique, tu c'est peux ça. Conduire, ça ne changera rien du tout, l'accent va changer. Ouais. Quand je t'entends parler, ouais, ton français est impeccable, il n'y a pas à dire. Mais, non, mais j'ai un mais accent américain. Oui, c'était l'accent américain, c'est incroyable. Okay. Je crois que c'est parce que, en fait, le son que tu émets quand tu parles en américain, pas l'anglais. Uh-huh. Un américain est tellement en arrière, oui, alors que le français est tellement en avant. American is right back here when you talk American, right? Et si je fais la même chose en français, if I put the sound in the front, I sound the French, right? Because the sound is right here. Where is the same, c'est la même chose en américain. Si je parle français maintenant à toi avec l'accent américain, le son il est au fond, alors on dit oh, you sound so American. Alors que si je parle devant, ça c'est très français. Et si je le mets un peu en arrière, c'est plus italien, parce que les Italiens ils parlent comme ça.
après tu recules et en fait c'est où tu mets ton son quoi. Por el camino de...